À perte de vue, pas un centimètre d'endroit qui ne fût salé. Le prochain déluge universel ne sera pas fait d'eau, mais de tous nos déchets accumulés à travers le temps. Les déchets, plus précisément ceux en papier, représentent aujourd'hui la part la plus importante des déchets produits par les institutions et les établissements scolaires. Ils représentent 75% des déchets de bureau et sont très peu recyclés. Heureusement que certains entrepreneurs s'inquiètent de la situation écologique qui prévaut et apportent des solutions particulières. Kojovi Iuga, designer matériel, initiateur de Green Furniture, qui redonne une seconde vie aux déchets papier produits par certains établissements scolaires. Que fait exactement cet entrepreneur avec ses papiers recyclés? Allons donc à sa découverte. Il est 9h30. Kojovi entre dans cet établissement scolaire à la recherche des papiers usagés jetés par les élèves. Ici, le recyclage se fait une fois par semaine et il ne ménage aucun effort pour acquérir sa matière première. Ici, les déchets sont un peu en vrac. Il y a des types de plastique, des bouteilles, PET. Donc moi, je récupère que ce qui est papier pour ma matière première. Une initiative très appréciée par les premiers responsables de l'établissement. Je trouve que c'est une initiative très intéressante. Et nos jeunes d'aujourd'hui, j'estime que ils sont un peu ingénieux. Et on n'a jamais pensé, par le passé, à recycler les papiers usagés. Moi, je peux dire tout de go que les avantages que cela présente pour notre établissement, nous n'aurons plus à faire recours aux sociétés de ramassage. Au lieu que les sociétés de ramassage viennent 3 fois par semaine et que cela nous coûte 15 000 francs à la fin de chaque mois, on peut leur dire de venir 1 fois par semaine ou plus 2. Comme ça, les coûts vont diminuer pour nous. Après l'étape du recyclage, notre artiste du jour se dirige directement vers son atelier de transformation. Les papiers ainsi recyclés vont subir un long processus de transformation pour en faire un chef-d'œuvre vraiment incroyable. Tout part de la collecte des déchets papier au sein des institutions scolaires, par exemple les écoles. Une fois que le papier est collecté, on revient à l'atelier, on le reconditionne, on le met d'abord dans une bassine pour le détremper, sortir toutes les impuretés, et maintenant le mettre en pâte. Une fois la pâte obtenue, on le met sur un plateau pour être étalé, pour avoir la dimension souhaitée et l'épaisseur dont la commande en question. Le panneau est obtenu à partir de la déshydratation de la pâte humide qui prend habituellement 3 à 4 semaines au gré du soleil, bien entendu, parce que tout est fait de manière manuelle. Donc, après avoir obtenu les panneaux secs, nous les disposons en fonction de leur épaisseur et le reste du travail est maintenant au niveau de l'artiste peintre. Ces supports à papier déchets ne sauraient retrouver leur valeur totale sans la touche particulière d'un artiste peintre. Nous sommes à Adidogome Apedokwe, dans l'atelier d'art de M. Agbodo Falcho Komlan, un artiste peintre reconnu autant sur le plan national qu'international.
très intéressé par les supports produits par notre amoureux de l'écologie, Falcio, ne peut s'empêcher de laisser ses empreintes. Pinceau à la main, peinture d'art sur une table. Notre expert laisse parler son génie. En moins de 15 minutes, il ressort une œuvre spectaculaire. C'est la facilité d'accès au papier recyclé. Et dans un premier temps, c'est pour protéger l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous favorisons, nous primons plutôt ce papier-là. Par contre, la toile, bon, elle est assez chère par rapport au papier recyclé. Voilà. Pour moi, c'est assez amusant et plaisant de travailler là-dessus. Voyez-vous? Vous êtes témoin. En quelques coups de pinceau, moi, j'ai réalisé ce que je voudrais. Donc, je ne peux pas répondre pour les autres, mais moi, personnellement, et c'est bon, quoi. C'est très bon. Et facilement, je l'adopte, quoi. Tous ces dessins artistiques, soigneusement peints, sont faits sur des supports à papier usagé. Associés à la peau de cocotier, une vitre et un contreplaqué à l'arrière. Quel adorable chef-d'œuvre! Une aubaine pour le secteur artistique togolais. Pour innover dans son travail, Ehuga se fait confectionner des poubelles qu'il compte dans les jours à venir mettre à la disposition des institutions et établissements pour un recyclage rapide de ces déchets. En partenariat avec une start-up, ces poubelles seront équipées d'une technologie qui permet de savoir en temps réel la quantité de déchets disponibles dans différents coins de dépôt. Pour Green for Nature, déjà, lui, il a des poubelles en tôle, des poubelles de tri en tôle. Et nous, on ajoute notre technologie pour qu'aujourd'hui, lorsqu'il dépose ses poubelles, soit au niveau du ministère ou soit dans les écoles, que ça lui facilite la tâche. Il ne va pas se lever comme ça, aller dire, ben voilà, je vais aujourd'hui pour récupérer sans savoir si la poubelle, elle est pleine ou pas. Donc, ça va permettre à Green for Nature de voir est-ce que ces poubelles-là sont pleines ou pas. Est-ce que je peux aller les récupérer? Est-ce que le taux... ça permet aussi à Green for Nature de voir le taux des déchets qu'ils collectent, mais le taux des déchets papier qu'ils collectent dans le mois. La question des déchets urbains est l'un des problèmes environnementaux les plus préoccupants pour les pays en développement. Un autre monde est possible. Il urge alors de préserver notre environnement car on n'a pas de planète B.